Mais par recette à boya, on y aura papa na bana yoko boti so oui bana kaka boya au fele kaka boli kola ba recette à boye. Naïf sa ra moi si il faut aller ba lamba, ou bien lamba te ye kola na mama kimia. Ba recette à boya, on mon au vendika boba pesio ka moi boite moi bofon la boue. Hein? Clé arrange revers na kat. Likolo ka ba recette à boye, maman, timbela, timbela, yebe la vision, zombe na bibele. Oui, ben, on a ma recette à boyer. On a tant, moi, à côté, tant, moussous à côté, tant. Seigneur! Pardon, on y va! Hello, hello mes bayanga, hello la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Farah TV. Voilà, si je suis là encore à ces instants, c'est parce que j'ai envie de vous présenter cette recette, en tout cas, qui est tant aimée par mon mari, mes enfants, moi-même, ma famille aussi, parce que j'ai appris à le faire par ma maman. Alors aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous présenter aussi, de vous montrer. Là, je suis en train de vous montrer déjà ce que nous allons utiliser. On va faire les graines de courge, j'espère que vous connaissez, parce que là, j'ai des graines de courge qui sont là comme ça, c'est pas encore mixé. C'est pour ça que vous voyez le mixeur qui est juste à côté. Je vais mixer un peu parce que je vois que je trouve que la quantité qui est ici, c'est pas suffisant. Alors avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, si vous n'êtes pas encore, vous ne faites pas encore partie de cette grande famille des Bayanga, je vous demande de le faire parce que vous risquez de rater beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Alors prenez des chaises, des tapis, des nattes, des tapis, hein, installez-vous, prenez des chaises en bois, en cuir, en diamant. Oh là là, en plastique, en métal, comme vous voulez. Installez-vous sur ma chaîne parce que sur ma chaîne il y a tout. N'oubliez surtout pas des plaids pour rester au chaud. Au chaud, au chaud. Chez Mama Kimia, c'est la chaleur. Voilà, sans plus tarder, on ne va pas vraiment traîner. Je vous présente les ingrédients. On va faire les graines de courge. Chez moi, on appelle ça mbika. Donc, on va faire la recette de mbika avec. Je vais mettre le champignon. Ça, c'est le champignon sec que j'ai mis dans l'eau. Hein. Bah, oh, bah, il y a des champignons secs, j'avais déjà nettoyé, j'ai mis dans l'eau, il y a des salibouillés. Souvent, c'est tout petit et quand vous mettez dans l'eau, ça grossit, ça prend du volume. Voilà, bah, oh, bah, j'ai déjà nettoyé. Et là, c'est le poisson fumé, bisakokaouka. Je vais essayer de mélanger en français, en lingala, pour permettre à nos jeunes filles qui sont nées ici, qui veulent apprendre à cuisiner avec Mama Kimia, comme ça, elles ont la facilité, ou ils ont la facilité, même les jeunes garçons, peut-être que voilà, peut arriver à un moment, tu te retrouves tout seul, mais t'as envie de manger les mita. Tu vas te rappeler de la vidéo de Mama Kimia, voilà, tu ne seras pas coincé parce que tu te dis, ah, naka kaba lingala. Lingala. Donc, je vais essayer de mélanger les deux langues, ok? Vous allez vous retrouver. Donc, voilà. Ça, c'est le poisson fumé que j'ai déjà aussi préparé. Mais j'ai laissé un peu de moi, ma poisson. Et moi, ma poisson, c'est la semaine. Hein? C'est beaucoup de semaines, de diatans, des swags dans la bouche. Tu connais les swags dans la bouche? Voilà. On va pas trop rigoler aujourd'hui parce que la recette est trop longue. Voilà, ça, c'est les graines de courge que je vais essayer de mixer un peu là. Tu vas te dire, ah, j'ai pas trouvé dans les magasins les graines de courge et tout, déjà mixé comme ça. Tu te dis, non, là, mamie, caté. Non, si tu trouves ça dans les magasins, ne t'inquiète pas. Tu vas utiliser juste le mixeur pour mixer et ça sera comme ça. Ok? Voilà. J'ai fait vraiment exprès de n'avoir ça et ça pour vous montrer que vous pouvez mixer et ça peut devenir comme ça. Ok, voilà. Et j'ai besoin d'un peu de sel. Un peu de sel. Tomate. Hein? Tomate pelée. Et ça, c'est. J'ai pas eu le temps d'aller chercher les tomates fraîches et tout. Donc, j'ai pris les tomates pelées. Et ça, c'est mes deux œufs qui vont me permettre à faire le mélange avec les graines de courge et tout. Ça, c'est les oignons que je vais utiliser tout au long de la recette. Et là, c'est le poireau, comme vous pouvez voir. C'est là au fond, le poireau. Et ça, c'est la tomate concentrée. Et ici, c'est le poisson. Hein? Pangasiu. Pangasiu. Hey, sia! Pangasiu! Ah, poisson, comme moi, bien poisson, mais c'est une idée de bâtir la bise. Donc voilà, j'ai pris ça chez Colruyt. J'aime trop ces poissons parce que c'est vite fait, ça m'empêche de. Voilà, qu'on soit Thompson, commencer à enlever les arêtes. Et puis, donc ici, c'est déjà nettoyé, point barre. Donc les crapés qui tournent, même pour mettre dans le pondou, dans les légumes, c'est vraiment très bien. Et ici, les épices, hein, ma boîte à épices est là. Je vais essayer. Ici, on va utiliser juste la noix de muscade et je mettrai un peu de paprika pour rougir, mais voilà. J'aime bien, vous allez voir comment je vais faire. J'aime bien parce que tant que vous allez rappeler, même Pierre Nakanda. Alors, on a un peu, moi, Nini, pour ça, on a bien. Et puis, moi, j'aime vraiment okay, un peu de gingembre, un peu seulement. Voilà, juste pour relever le goût, ok? Donc, voilà, voilà, on passe de l'autre côté pour débuter notre recette avec Mama Kimia. Oh là 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 là, on y va. Donc, là, je vais prendre mes graines de courge. Je vais prendre mes graines de courge. Je vais essayer de. Je vais mixer d'abord cette quantité, ma pokanga boye, et puis ma pokanga. Donc voilà, graines de courge nanga, yango na longoli, et koki nango. Mais bon, mona, bon, ding sali, et c'est mixé vraiment très bien.
tout ça na bambou maté na kati. Vraiment, et c'est mixé vraiment très très bien. Au moment où maman côté na kati. Alors, dans tiens on a kati à récipient nanga, dans tiens on a kati à bassin nanga moko. On a préparé qui déjà. Na tiens yango nga na linga vraiment kulamba. Na ndenge pe na place nga na hoteli. Na ndako nga na hoteli maman na biso. A mesala kulamba ba biloko ka ya banzunga minene. Du coup nga pe na zone na memango na ndako nanga. Na ko nanga kulamba biloko miketi nga la lamba ba banzunga minene pour na yebi ke eh. Ma tata oyo na banana oyo balia. Donc je vais prendre aussi. Je vais prendre oyo déjà ba mixa na kozwa na tiens on a dans un garoulin, la quantité est la moins belle quoi. Je vais essayer d'utiliser ma main pour aller vite. Na ocha bouye. Là, je suis en train vraiment de mélanger convenablement. Je vais prendre mes œufs, mes deux œufs. Na ocha bouye. Je vais prendre mes deux œufs, comme vous pouvez voir, avec mes graines de courge yango yo, na rozoango, na ko kasse, na kasse, na ti a na kati. Eh, na va brutal. Les bonnes copains sont allés qui m'a cassé bouye. Eh Seigneur, tu es sali nga nini. En tout cas, ce que je suis allé, c'est par rapport à la quantité de mbikananga. Je trouve que mbikananga est vraiment ébélé. Mais on a coûté, on dirait que mixé à nyonce. Bon, c'est la canne si ça a mixé à nyonce. T'es mixé à nyonce. Voilà. Je vais tout mixer en tout cas. Comme ça, ça sera une bonne quantité, quoi. N'a mixé nyonce, ouais. Voilà, là, j'ai fini en tout cas de tout mixer. Comme ça, ils allaient ébélé. Attends, et vous allez ébélé vraiment pour les canets. Au moins, on a commis la mêlée pour une fois. Parce que mon babylo, tout l'ambre à l'ambre, on ne peut pas mater. Ils ont vraiment le mot à pour ça. On se joue occasion. Donc là, on a un bon bout. Maintenant, je vais passer à le mélange. Et je vais prendre un peu de tomate. Je vais mélanger pour que vraiment, et c'est mélangé convenablement. Parce que, on a besoin, on a aussi la pâte, on a oyo. Tomate, et ça inclut la pâte. Tomate, et ça inclut la pâte. Là, je suis en train de faire le mélange. Vous voyez comment la texture a changé. Donc plus tu mélanges, et comment ça le coup la pâte à mikate, oh y'a pas casse, voilà. Donc faut vraiment bien mélanger et tout, c'est très important. Comme je vous avais dit, moi j'aime bien et je vais dire c'est pas ça, mbika. Moi j'aime bien les mbika. Maintenant les courges, voilà, c'est trop long. Donc voilà, en attendant, pendant que je suis en train de faire ça, j'ai déjà mis l'eau sur la plaque. Ça doit vraiment bouillir avant que je ne puisse mettre le mbika dedans. Il faut que mon eau vraiment puisse bien bouillir. Là vraiment, je trouve que le résultat est meilleur. Sinon, vous voyez que mbika et zwakamunga difficilement. Alors, je vais mettre une petite cuillère comme ça, il y a mumba, parce que quand on fait les boules, le sel n'entre pas facilement dans les boules quoi. Donc voilà, là j'ai salé hein. Là j'ai salé, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment salé les mbika. Et puis je vais prendre aussi un peu de paprika, comme je vous avais dit, ça c'est ma petite touche hein. Vous pouvez ou ne pas mettre. Je vais mettre un peu de paprika juste pour que mes noix de courge soient encore bien rougies dedans. Parce que quand le tokaka, ça se sépare. Les tomates que j'avais mis avant, ça va se séparer. Ça ne va même pas se voir. Vous allez voir que les noix de courge, c'est tout blanc, tout blanc. Et quand c'est tout blanc, moi, perso, j'aime pas. Il y a un achat paprika boué pour décorer un peu moins mikananga et ça un peu moins rouge dedans. Même quand on va commencer à manger à table là, quand tu vas ouvrir dedans là, tu trouves que ah, c'est rouge. C'est bien. J'aime. En fait, j'aime. Donc voilà. Là maintenant j'ai fini avec mon mélange, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très joli, c'est très beau, je vais déplacer, voilà, vous voyez le mélange, c'est parfait. Alors je vais maintenant faire mes boules pour mettre dans l'eau, donc voilà, je vais essayer de faire des boules. Des fois je fais tout rond, des fois je les fais un peu plat comme ça, pour que ebela na kati, parce que quand tu fais tout rond comme ça, mbika ça a un problème à couper la kati. Si on s'allait rond ma kasi, ah, ya ya, batwa olia bilo komuna, batwa olia mbika, ebeli bien, parce qu'après si c'est pas bien cuit dedans, en tout cas les gens auront mal au ventre. Non, non, ça l'envoie un peu des trucs plats, comme ça. Je fais d'abord comme ça, et puis je fais ça. Vous voyez, c'est pas difficile. Et ça n'a pas cité. Étape à pas, c'est à la il faut réussir à faire cette pâte ici, le mélange, parce que c'est très important. Des fois, on a l'équisi liquide, n'a kati, comme il bédé bédé, ou bien l'équisi tomate, n'a kati, ou ça a liquidé, tu peux mettre, si tu n'as pas d'œuf, tu peux mettre juste la tomate. L'idéal, c'est pour que ça puisse t'aider à bien se mélanger et que ça puisse te donner cette texture pour bien faire les boules. Donc je peux faire aussi des boules, mais que ce soit vraiment des petites boules, quoi, comme ça. Comme ça, c'est mélangé, quoi. En tout cas, c'est comme tu voudras, hein. Il n'y a pas de structure à faire des boules, nanani, faire des boules, non, non, non. Donc, c'est comme tu veux. Parce que je sais, après, quand ça va cuire, ça va encore se casser, ça va se diviser, ça sera encore petit dans la casserole. Là, c'est juste pour donner un peu forme, quoi. Et puis, c'est tout, hein. Et puis, permettre que ça puisse cuire. Nakati, donc, natigibi dans la musique, bon, nandingé. Nato, ça va boule, titre, comme un. Donc, voilà. C'est fait. Je vais maintenant mettre dans mon eau qui est en train de bouillir. Non, maintenant bois kaka parce que ma ezoto ka déjà. Na ozala na kobanga te ke panza ni kopanza na te pour ma ezoto ka déjà et mes boules c'est déjà bien fait. Donc il y a pas de souci. Ça va aller, OK. Attends, na bois qui on voit que c'est pas grave.
L'eau est en train de bouillir, donc c'est bon, ça va maintenir. En fait, l'idéal, c'est de mettre ça dans l'eau qui est en train de bouillir déjà, pour éviter que ça se... Que ça de... En fait, pour que les beautés boules ne se tassent pas, quoi. C'est pour ça qu'on met déjà l'eau qui est en train de bouillir et tout, pour que tes boules puissent tenir. Voilà, je laisse avec la musique. Et après, on va laisser, avant de laisser avec la musique, je vous précise déjà que on va laisser pendant, en tout cas, une bonne heure pour aider la macasse. Il faut aimer la macasse. C'est bien qu'on dit manger bio, mais manger bio là, c'est beaucoup de courant. Manger bio là, c'est beaucoup d'énergie. Manger bio, c'est beaucoup de temps parce que ceux qui t'ont eu pour nous, il faut compter plus ou moins 1 heure, 1 heure 30 en tout cas. Ce que je suis au découvert technique, il y a l'âme et la pondou, en tout cas, dans 1 heure, 1 heure 30 en tout cas, pondou n'a eu qu'une en Kobe là. Mais ce que je veux la maca, pondou n'a pas la caca, 2 heures du temps, 2 heures 30. Donc voilà. C'est la même chose avec les noix de courge ici. Ça prend du temps au feu, ça c'est sûr, ça prend du temps. Ça doit vraiment bien, bien cuire à l'intérieur. Bon, mon ingé m'a dit déjà pour toka. Dans la hocha loutouté, je ne vais pas mettre de cuillère, hein, mesdames, sur, mes bangas, sur. Heureusement qu'il y a Nika qui me dit qu'il y a un gagnant. Heureusement que j'ai tout mixé, parce que si je n'avais pas tout mixé, tout le monde est toujours fioti fioti, yambi, kanaka, tianzungu. Eh, n'a pas de boue, tiens, ça met dans l'eau là. Donc, on va laisser comme ça va mijoter jusqu'à ce que boule n'a pas vraiment forme bien, dans assure que ah, ça ne va pas se casser. Parce que là, normalement, dans monsieur, c'est pas du panzana. C'est ça, en fait, avec les mbika. Voilà, j'aime pas trop faire aussi des grosses boules, non, non, non. Parce que mes enfants n'aiment pas aussi quand c'est trop gros, même mon mari aussi. Et il y a un salon à plat, bâté, panzane, c'est pas grave, normalement, moi, mon âme, là, monsieur. Alors, après, je vais laisser comme ça pendant 45 minutes par là. À partir de 30 minutes, déjà, je viendrai vérifier. Et puis 45 minutes, voilà, 1 heure. Et je vais laisser d'abord comme ça quelques minutes. Et puis, je vais revenir pour rajouter les autres d'autres ingrédients par la suite. Voilà, mes bayangas sur, en tout cas, là, je. Après, là, c'est après 15 minutes, hein. Bomoni, sali. Vous voyez ce que ça donne après 15 minutes, ce que ça nous donne. Alors, je suis venue juste pour rajouter mes quelques ingrédients. Voilà, pour et continuer Kotokanango. Je suis venue rajouter les. Comment on dit les champignons. Non, là, pardon, la caméra a bougé. Mais pour que ça. Ninanga, pour et toka. Pour et toka, parce que. Oh, ils en ont besoin à Kotoka. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Kotokisango pembeni. Nasanisango kanakati malamoko. Et toka malamoko. Nayango. Mayo kanaba bien, bien, bien. Basa la kimasta. Hein? Ils vont faire connaissance dans la casserole, ils vont mijoter ensemble, voilà. J'avais oublié d'essayer de couper un peu légèrement. Pour les alapines, c'est pas grave. C'est bien, non, kayango, ça va rester comme ça. Donc, vous voyez ce que ça donne? Le goût de ça. Et puis, ça va être aussi, quand tu es aussi, vous avez salé, vous avez assemblé, vous avez aussi. Mais, on a aussi, kapinza. Naziki. Dans vos moments, voilà. Et puis, je vais vous dire que moi, je vais vous dire que moi, je vais vous dire pour que. Et. Pendant qu'on relève les goûts et puis dans le petit candam on en sale la sauce pour mon on appelle dans la sauce après on met quitte en bouteille au caca après soit t'es lit moi car tout mais dans le petit candam pour boire on a solo caca et bah qui ça va et puis je vais prendre noix de muscade nanga natché après ce qu'on est là qu'au petit quand on tire qu'au bel là n'importe quoi si maté n'importe quoi balo la tête n'importe quoi la herbe au boire mais là dans le petit quand on a nous les champignons là ils ont fait chaleur à l'icolo l'icolo en tout cas qu'au bout ça n'a ôté dans les mbika parce qu'il y a un des coachés là solo qui toco. Donc, il y a un bon moment, on peut nazo tiang, on peut na pona linga kayango. Ceux qui ont linga kayango, te ko tchate. C'est simple. Non, je vais prendre un peu de gingembre en poudre. Je vais mettre. Binomo boye bike, et loko moussounignon, so eza ramakas. Si on te gingembre, et l'embisarango facilement. C'est la même chose. Bon, l'imbi kezo katam ou laïna na moto. Faut que l'on kilango technique. On a tchamo gingembre kaka mouki kaka. Po e, et l'embisaranga tamambang ou moi mbika na boye ko tcha bicarbonate. Parce que moutounion sota supporte ka bicarbonate. C'est pas tout le monde qui supporte du bicarbonate. Mais il y a d'autres femmes qui mettent des bicarbonates nakatia mbika. Dans le noix de courgette, de courge, pardon, noix de courge. Les hommes, ils m'ont bien dit, bon, on est tombé dans le chat et belé, hein, mais les hommes, ils m'ont pensé. On va boire, on a foule, hein, bah, donc ça va comme ça. Sur le témoin, le micello est coactivé, préparation, il y a recette, na yo. Alors on va laisser comme ça, que ça mijote, hein. Nous, bon, on a mijoté. Et mijoté, on attend quelques minutes, et puis on a besoin de remuer. Je vais essayer de tourner 2 minutes, et puis on va passer à l'autre étape. Voilà les amis de ma maquinière. Là, j'ai remarqué que Maï et Sainet Kokaoka, je vais essayer de rajouter un peu d'eau. Hein? Je vais essayer de rajouter un peu d'eau comme ça. Moi, Maï Mouké. Les Naïsa Kibino, en tout cas, les Mbika ici, il faut être au caca. Il faut vraiment être au caca. Pour ceux qui ont quitté Batoubako, il y a Bilo Kambes. Là, maintenant, je vais essayer de tourner un peu légèrement pour notre petit Dikaba. Champignon nanganacé avec ma cuillère qui est en silicone. Avec ma cuillère en silicone. Bon, mon Ibaboul Nanga, hein. Au moins, il y a un peu de ma casse. Il y a un peu avec brutalité. Il faut être douce. Il ne faut pas être douce avec les papas. Il faut être aussi douce avec la nourriture.
problème. Donc, on va le laisser maintenant mijoter comme ça, intelligemment. Petit qui en bouillé. Voilà. Et tout cas, la bouille va grimacer, on a qui guerre. La grimacer, mi, kambi, qui passe, qui la bouille. Voilà, on revient. Voilà, en tout cas, voilà, nous y sommes. Mbi cannabis on est bon mon ango. Mbi cannabis vraiment est belle, très bien. Ndenge et singe les bella. Na et sainet kokauka kutu. Donc et bien si peut ma foot en ango. Donc voilà, là maintenant je peux me permettre de tourner à tamandamo. Na hein, quand même na jimele. Na mon agnon son maintenant tourner mingité. Na ko ça là, je vais changer des plaques. Je vais mettre kikalungu oyo. Na si na tchèque déjà ma foot en ndamo, mais là bah qui ça un peu d'huile dedans. Je vais rajouter un peu d'huile pour ça la sauce rouge. Autre temps, Nakati a mis la biso. Je vais répondre à un appel. Voilà, désolé, Zaki m'a appelé Kotaki pour ma commande, ma perruque et tout. Donc, voilà, Tozongi. Là, maintenant, on va réaliser notre sauce rouge. Na oignon et l'autre petit cali yakotia yango yokata autre petit na ngoko salila yango comme épice on a nos tomates ba oignon na biso comment dit poireau na oignon dans un poisson na biso ça wana tomate rouge na mbisi na biso poisson fumé. Je vais commencer par mettre d'abord ma ni na biso avec on basique. Je vais commencer d'abord par mettre mes oignons na chena ba oignon nanga. En tout cas, biso tolinga ba oignon et belé, tolinga vraiment oignon na poireau et là vraiment et puis mon phare na kati na kuna biso parce que tolinga ngo mingi. Tolinga ngo makasi, nga mo na linga ngo vraiment makasi parce que na dit que voilà ta oche belé bo mon na ka iko fondre na ngo et puis après mon na na ngo pe na biloko te. Donc na mon na nga mabe ko tiango belé te et bébé ça rappelle biloko pété. En tout cas bébé ça rappelle biloko te. Et puis sinon so eza na ngo bio, eza na ngo naturel, eza na ngo ya chipotrité et bébé ça na ngo biloko te. Dans mon anama bébé vraiment il recherche oignon mingité il y a roule mingi dans mon anama bébé yo sur mon que c'est tu n'aimes pas trop les oignons c'est ton choix. En tout cas dans la cuisine chacun a ses choix, chacun a ses envies. Mutuna mutaza la sentiment na ye, alors il faut pas se priver hein, faut que ça ait la sentiment na yo. Et puis je vais prendre tomate nanga natie. Là nous sommes en train de réaliser notre sauce rouge pour notre recette. Alors je vais vous laisser avec la musique, vous allez voir quand même la progression de la sauce. Et autre chose, après, je vais rajouter ça. Voilà. Parce que, il y a des belles. Tant que la sauce est belle, il faut diminuer les sous-sous. Et ça, c'est une unité. Nous avons calculé. Et on a dit que l'on a l'éloté. Pour calculer, nous avons mis sous. Donc voilà, on va laisser mijoter jusqu'à ce que la sauce va cuire. Et puis, on revient pour autre chose. Dans ma sauce, je vais mettre juste la noix de muscade pour relever un peu le goût de ma sauce, c'est tout. Sans oublier qu'on avait déjà mis la noix de muscade dans notre recette là-bas dans la casserole. Donc là, je mets juste un peu pour relever le goût et puis c'est bon. Voilà, voilà, mesdames sûres, en tout cas, là on a vu ce belly, là déjà c'est bon. La sauce c'est bon, je vais mettre maintenant mon poisson ici. Naruka takatango awa, je vais quand même essayer de découper les morceaux genre net un peu hein, un peu frire ça quoi. Je vais pas couper ça trop petit parce que ce poisson ici ça se fond hein. En tout cas ça fond et je conseille ça vraiment pour les mamans qui ont des bébés hein. Vraiment ce poisson c'est très bien. Vous voyez quand les bébés arrivent à l'âge où il faut manger un peu de poisson, un peu de légumes et tout, ça c'est ce que je donnais à mes enfants parce qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien du tout facile à côtoyer quoi. Facile à gérer, à garer dans l'estomac. Donc j'ai envie vraiment de mettre ça beaucoup, beaucoup. Et ça a un très bon goût, c'est raffiné dans la bouche. Même la texture est vraiment raffinée, même... C'est vraiment raffiné. Tout est raffiné dans ce poisson. C'est bien, c'est ce que je mélange, je prépare avec quand j'ai pas... Soit si j'ai pas le Thompson, soit si j'ai pas le bisauka. En tout cas, je mets avec. Je prépare avec. Voilà. Et puis en dernier, on va mettre... Je vais laisser genre mijoter un peu pour que ça puisse avoir un peu de force. Dans les veines. Non, tu gagnes ça net quoi. Au calinga manette, moi, je mets légèrement dans la sauce, juste pour que ça puisse tenir un peu. Hein, vous voyez, et kemba quoi, les kembologes. Le banana m'a commencé à le battre. Donc voilà, on va laisser juste quelques secondes. Et puis en dernier, mes bayanga, mesdames, sur comme vous pouvez voir, je vais rajouter maintenant mon vrai poisson, hein, mon poisson fumé dans les poissons pangasiu et zamé. Ma comment va poisson sur pangasiu. On dirait pas pangolin, ne va pangolin, pangasiu le sundeni.
on est poisson ma canya on porte à Baba Congo pour na kota matadi mayo pour na. Pangasio, yesu. Donc voilà, on peut être sûr que poisson nanga eco panzanata te les pangasio là eco panzanate. Et vous allez vraiment n'engager pas beaucoup mon boué à moins que n'importe quoi soit sur la route ou bien n'a zone à panzango non. Na préféré tika la bopona mon ango vraiment bien bien et ça la remarquable na katia il y a légumes nanga na katia recettes nanga. Donc voilà, je pense que ça vraiment c'est le résultat final de notre sauce rouge au pangasio et poisson fumé. Voilà. Ah si qu'on a rien na sauce nanga, je vais prendre cette sauce rouge, je vais tout verser dans la casserole. Pardon makimia. Mama ki mozana ba technique du combat mon côté. Mon ki kalungu soki za bien et ko la répéter quand vous avez une bonne poêle, ça ne colle pas. Vous voyez, c'est très propre. Voilà, ningi mama mbi ya loba, tant on laxa rabiso vidéo moko, tant on somba ba extension na ya cuisine, laxa rabiso, si vous vous rappelez bien ba o batala ka mama mbi, ce pour tala ka été en tout cas, ki ndepe o mon appelle chaîne na ye et ko sala yo bien makasi mama mbi laxa bloka bien, a lobela makambo ki kalungu ki il faut ko somba rabilo ka malamu. Ata omise mbongo na ona kati ya eloko na oyo ya musala, mais au moins ezala quelque chose de bonne qualité. C'est des conseils qu'on comprend aussi de nos mamans, comme notre maman Mbi en tout cas. Merci beaucoup. Nzamba pambola bisiko zali na musala petito ko oyo salaka. Tu mérites aussi beaucoup mieux. God bless, on est toujours ensemble. Vraiment là, maintenant on va laisser juste quelques minutes les temps kaka, le mélange est salima entre ce que je viens de mettre et notre mbindo comment on appelle Mbika. Donc je ne vais pas trop massacrer ma recette. Je vais laisser mijoter pendant quelques minutes et on revient juste pour les résultats finaux. Waouh. Voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. Oh my God. Regardez ce que ça donne les amis. Mes bayanga sur, mes dames sur. Je vous dis toujours, Mama Kimia. La classe même dans la nourriture. C'est bien décoré. Et ça, c'est les tomates. J'essaie de mettre un peu une tomate jaune et rouge pour un peu donner du peps à mon plat. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite bon appétit parce que moi, je vais me servir des mets, les mets que Dieu m'a donnés pour préparer, pour m'habiller, pour chercher l'argent et pour manger. Oh là là, c'est trop bon. C'est trop bon. Il y a beau tien à mes, ça beau lit ensemble, beau bête à ma solo à vie. Ah, au moins, il n'y a pas angoana. Si c'est faux qu'il nous s'y sango. Après une gorge qui tue. Ah oui, chérie. C'est comme une dénigne, naissance à moi, non? Mais qui est bouteille en États-Unis. Oui, chérie. Et ma soleil, les canacas, c'est ma couple. Regarde. Commerce ou un acas, c'est un dénigne. Ah, ça va, mon cœur, sauf que non, c'est la cancer dans ma chèque. Non, c'est la cancer dans ma chèque. Eh, peigné, papa, bidou, qui toco. Jesus! Donc j'ai pensé dans un chèque pour ma camo Simba. Ok, comme tu as. Mais ça m'a dit, ah, chérie, non, il y a des. Tu vas nous dire, c'est bien. Et ça imposant. Et il y a trop de liens, il y a 2 minutes. Bino, bonsoir, Nicolo, hein, on a Olia. Jean-Louis. Bonsoir, Nicolo, on a Olia. Bon, pour t'en avoir mis dans les temps aussi, ça va quitter Boya Olia et Loubou. Bon, on a. On a l'ambat de l'eau à me quitter. Voilà, on a mis ça là, bon, moi. Pour servir de l'eau à me quitter, on a mis ça. Bon, quand on a la crotte. Ça, les champignons, c'est le côté croustillant de la recette. Parce que quand tu vas manger juste un champignon, voilà, bah, un champignon. Eh, hey, Seigneur! Les Français d'autrui, là! Tout massacre, on a n'a pas de. Bon, mon petit toko. Tomate, tu m'embrouilles. Mets-toi là. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais te manger à la fin comme dessert. Donc, voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, faites-le, abonnez-vous massivement. Alors, les champignons, ça donne un goût trop mystique dans la recette. Trop mystique. Abonnez-vous. Prenez de la place, au fait. Prenez la place, je voulais dire. Il y a de l'espace pour tout le monde. Ici, sur ma chaîne, on ne s'occupe pas des gens. Donc, vous venez, vous vous installez. Vous êtes chez vous. Et bon. On va parler de gens. Mais c'est encore quand même. Maman qui m'a pas d'un. Qui n'est pas son bilao. Tout le monde. Voilà, tout le. Et d'abord, nous devons même s'arrêter. Bye. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Bino Sobovan, je pense que nous allons en première. Bino Sobovan, nous allons en live. Première en tout cas.
Merci infiniment. Vous avez donné vraiment votre temps pour nous soutenir Mama Kimia. Nous avons pas Molabino, ba fidèle Nyon so ba kota na katia live nanga. Nous avons vraiment Molabino, vous tous qui commentez, qui partagez sur vos statuts, sur vos pages, vraiment que mon Dieu se souvienne de vous. Parce que quand on fait des trucs comme ça, ce n'est pas pour voilà, pour genre, mais on le fait pour partager et montrer la connaissance que Dieu a mis en nous. Partager ce que nous aussi on a reçu comme connaissance, on a reçu comme éducation, on a reçu comme voilà, on partage et à votre tour aussi. De faire la même chose, de mettre tout ça en pratique, c'est très important. Sur mon cœur, de toute façon, la lame de recette n'a pas été intéressée. N'hésite pas. Côté épices, au moins, il y a un peu de belé. Diminuez. Tu as un peu de cuisine, diminuez. Et puis, il y a un peu de temps. Bye bye. Eh, Seigneur, dans une loco. Et loco, yo. Tambouya taille. Taille, taille, comme la taille, un champignon, taille, taille.